Vous voulez quoi? Un best of fade, vous m'avez dit? Pas fade. Ooh, it's climbing. Il y a des gens qui demandaient fade tout à l'heure. Ok, petit mental jump, fatigue jump, super glide. Ok, movement. Tu vois, genre ça c'est. 360 qui sert à rien. Ça c'était clean. Oh là là. Le poulet. C'est vrai que c'est agréable à regarder quand même. Hein. Putain. Oh, il l'a tellement bien fait. C'est vraiment quand il est dans les zips là avec un shotgun. C'est du miel. C'est fluide. C'est clean. What the? You craft? Non, c'est pas le même gameplay. Ouais, c'est différent. Oh, le flic de zinzin. Yucaf, on a déjà regardé Yucaf. Oh my god. Oh la 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 la. What the. La renaine. Tu es des pères de famille qui rentrent du taf et en vrai, mais après on peut pas lui enlever que mécaniquement il est chaud quand même. Bien sûr qu'il se bat pas contre le même niveau que lui. Mécaniquement, il est clairement bon. Hein. Il est plus que juste bon. Hein. Après, le gameplay qu'il propose et le contenu qu'il propose, c'est du gameplay. C'est pour le divertissement pur et dur, tu vois. Genre, il joue pour faire des plays autour du mouvement et tout, tu vois. Genre, tout est tourné autour du mouvement. Sa marque de fabrique quoi, enfin c'est normal, tu vois, c'est pas forcément le plus opti, mais toi genre là il les a vraiment juste outplay, genre il y a pas eu de, après les mecs en face forcément, y a pas eu de flashy movement et tout, genre là c'était vraiment juste outplay pur et dur, genre. Genre là, pareil, tu vois. Genre là, ça sert à rien ce qu'il a fait. Il a ses limites, il a empiré le duel pour lui. Il est face au mec, il tire dessus dans la vie, il lui met 80 dans la vie et au moment où il lui manque une balle à tirer, il fait un petit 180, il fait un 360 sur la zip, demi-tour, saute sur la zip pour lui remettre une balle et. Enfin, ça sert à rien, tu vois. Ça, c'est juste ça, c'est pour le show, genre. Merci beaucoup. Comme ça. Round 2, let's go. My teammate pressed me. Je suis plus impressionné par cette prise de décision dans V3 que par les mots. Ah non, mais ça reste un très bon joueur. Hein. J'ai absolument pas dit le contraire. Played so hard.
Un totem. Oh fuck. Why is that there? It worked. Shut up. Oh, elle est smart celle-là. Ah non, même pas. Ouf. Pas prendre la volte. Ouf. Beau flick shot. Ils sont même pas retournés. Ah, on n'a pas vu la suite du cliff, c'est que mort. Regardez, c'est quand même... Alors les best-of comme ça, là, c'est quand même assez agréable à regarder. Les bonnes mécaniques MNK, c'est toujours, je sais pas, c'est... C'est incomparable, genre. Heureusement, c'est facile. Bah c'est généralement ça, les meilleurs ils arrivent à te donner l'impression que tout ce qu'ils font c'est facile. What the... Combien d'heures de jeu? Bah il a beaucoup d'heures je pense. Ouf. Lolololo. Oh. Les dernières balles là, elles étaient clean. Oh le pauvre. Il a fail un peu à la fin, mais... Oh là là... Il a tellement joué avec lui, le pauvre. Oh, il y a un mec qui veut... Il veut faire comme fade. Mais c'est bon, t'as fait... Oh. Je suis mort. Pourquoi il drop, lui? Un thème. Oh, il est tellement perdu le pauvre. Ça me fait trop de la peine ces pauvres joueurs qui tombent face à fade. Plutôt 10k heures de jeu ou 20k? Ah je sais pas. Plutôt... Ouais je sais pas ouais. Ah je... Je pense plutôt 20k en vrai. Oh, oh, oh. Petit choke. Première fois qu'on voit ça. Il a stream 6600 heures d'Apex. Ah, c'est tout? Ah, donc plutôt 10 000 en vrai, du coup. Je pense. Petit fail. Wall jump. Là. Mais qu'il loue tranquille. Je suis mort. Je suis mort, ça a vraiment marché ça genre.
Cause bug, non, c'est pas un bug. C'est connu. Sur les zips comme ça, t'as des coins qui sont genre magnétiques et tu peux rester comme ça collé dans un bord. Ah, c'est un bug, j'imagine, du coup, mais c'est connu, genre tu peux le reproduire assez facilement. Le skibidi zip. Oh, bizarre le reload. What the hell? Sors d'où lui? Ouf. Oh, il a fait le truc du canon, le trick. Oh! Il a atterri sur notre pad, il avait préparé son play. Oh là là, le pauvre ici attendait tellement pas en même temps. Le mec il vient d'une autre map et il lui a tiré dessus. Ok. Oh. J'aime bien ce qu'il a fait là. Oh. Elle est bizarre l'ambiance là. Un petit rocher en cover. Ouh, oh. Et l'autre il fait quoi? Il l'a pas aidé? Il a raise. Oh là 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 là. Ça c'est clean hein. Ce genre de petit 1v3 là on aime bien. Je me demande s'il arrive encore à faire des grosses games comme à l'époque avec le SBMM maintenant sur Apex. Je pense pas. Je pense que ça va être plus dur quand même d'être un MM Slayer maintenant. Il va se faire ta... Ouais, c'est pas mon PK ça, hein. Ouais, ça c'est plus possible maintenant en plus. Oh, le ping. C'est vrai que je crois que des fois il joue sur des serveurs un peu lointains. Pour éviter le stream snipe et tout. Ah, c'est win. Oh. Oh. L'autre il a pris une série gratos. Il arrive en mode attends, je vais t'aider. Mort. Ouais, il a loupé le mental. Mais... Oh, l'arme s'est préparée en avance. Oh, comment il a... Il a joué avec leur couille à tourner autour du package. Quoi? Oh. Ingénieux.
kill him. Going in. Where are we going? Non, mais quoi? No way. C'est qui ce mec? C'est quoi? Le mec s'est dit, bah attends, il est où? Ok, je le vois pas, attends, je vais mettre mon phoenix. Oh putain, il est là! Non. C'est Fade, ouais. C'est un best of the Fade. Les meilleurs clips all time de Fade. Oh, c'est tellement inutile, mais c'est tellement agréable à regarder quand même. Je me délecte de ce content. De fou, je te jure. Rien de plus inutile que de faire certains moves. Ils sont, c'est tellement agréable et je vous aussi faire regarder, mais d'un autre côté, c'est tellement inutile aussi. Les best 0 rages, ça peut être pas mal à regarder ça en vrai. Je sais pas s'il y a une compile des meilleurs moments de rage de 0 ou de Hal. Oh, de Hal doit y avoir, c'est sûr. Il a quand même une... Genre, niveau aim, il est quand même vraiment bon. Dire ce qu'on veut. C'était bot en face, mais réussir à suivre... Quand il bouge comme ça, réussir à suivre niveau de l'aim aussi, c'est pas facile. Hein. Ouais, c'est souvent bah c'est de la MM quoi, donc oui c'est souvent des bots, ce que je disais tout à l'heure, tu vois, il y a pas de, mon avis n'a pas changé hein, par rapport à Fade. Je pense toujours ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est juste que ça bah il cherche à produire du show, du spectacle, tu vois, dans son gameplay, et bah il, pour le coup il y arrive vraiment très bien, tu vois, genre c'est divertissant, enfin moi je trouve ça agréable à regarder, tu vois. C'est pas pour autant que mon avis de tout à l'heure change. J'en pense pas moins ce que j'ai dit, tu vois, il y a beaucoup de trucs, ça sert à rien de le faire. Et beaucoup dans ces clips, tu le vois, tu vois, les mecs en face, ils touchent pas beaucoup, ils ont du mal à même suivre où il est, tu vois, des trucs comme ça, genre ça se voit qu'ils jouent pas contre les mecs aussi bons que lui. Loin de là même. Mais ça n'empêche pas que c'est vraiment un gameplay genre... Bah, c'est un gameplay flashy, divertissant, ça fait le spectacle, tu vois, genre c'est... Bah, ça fait juste plaisir à regarder en fait. Il n'y a pas besoin de plus des fois. Hein. On veut juste être diverti en soi. Hein. Et voilà. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez une partie 2 de ce React. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Ça soutient énormément la chaîne. Merci pour ça. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.